Vous vous trouvez chez Entra. Entra, c'est une entreprise, c'est une ASBL, une association sans but lucratif qui est avant tout une entreprise de travail adaptée. C'est-à-dire qu'elle cherche à offrir des emplois de qualité pour des personnes en situation de maladie ou de handicap. Pour pouvoir entrer en ligne de compte et travailler chez nous, on doit tenir compte de certains facteurs, certaines conditions. Il y a au maximum 30% de nos collaborateurs qui sont valides. Pour ce qui concerne les 70% restants, ils bénéficient d'un agrément de l'AVIC qui les autorise à travailler dans une entreprise de travail adapté. L'AVIC, c'est l'Agence Wallonne pour une vie de qualité. Et c'est l'AVIC qui donne ces agréments qui permettent aux travailleurs de rejoindre les effectifs d'Entra. Au maximum, comme je vous le disais, 30% de valides et donc en moyenne 70% de personnes avec une reconnaissance AVIC. Entra est une grande ASBL puisqu'on emploie environ 1000 personnes actuellement. Elle est présente en Wallonie, bien sûr, mais elle est présente aussi dans d'autres parties du territoire. Elle est présente notamment à Gand et elle est aussi présente beaucoup dans les implantations de nos propres clients. Mais en tout état de cause, la reconnaissance que nous avons comme entreprise de travail adaptée, elle est liée à notre positionnement en Wallonie et à notre partenariat avec l'AVIC, l'Agence Wallonne pour une vie de qualité. On est capable de travailler en trois langues. Évidemment, la langue la plus usitée chez nous, c'est le français. Mais nous travaillons aussi en néerlandais et nous sommes capables de travailler en anglais aussi. D'abord, vous bénéficierez d'un service excellent. Je pense que c'est ce qu'attendent nos entreprises, nos clients, parmi lesquels de très grands groupes belges et internationaux. Nous sommes en mesure d'avoir une compréhension étroite des besoins de nos clients. Nous essayons de privilégier des relations de partenariat parce que notre but, c'est aussi de conserver nos travailleurs. Et donc, nous sommes en mesure d'accompagner nos clients tout au long de leur cheminement pour leur offrir un service 5 étoiles qui tient compte de leurs besoins avec des équipes qui sont constantes, toujours les mêmes. Mais en même temps, on est très flexible. Donc, on peut par exemple réagir aux circonstances qui se présentent à nous en 2020, le Covid, avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'efficacité, puisque par rapport à cette crise que nous avons connue, nous avons recruté, nous avons employé environ 80% autour des 80 personnes autour de ces problèmes Covid et nous l'avons fait dans des délais très courts. Ça se traduit dans trois secteurs d'activité essentiellement, le conditionnement de produits désinfectants par exemple, mais surtout le tracing des clients puisque une partie du travail de tracing se fait ici et aussi la confection d'équipements de sécurité pour des personnes qui sont des soignants, par exemple, masques, blouses, toutes sortes de choses que nous ne faisions pas jusqu'ici et que nous avons appris à faire en quelques jours. Et donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'on est capable d'être très réactif dans cette période de Covid et qu'on a pu ajuster nos activités, nos moyens, aux circonstances dans des délais très brefs. Notre travail, c'est donc de créer des emplois pour des personnes en situation de handicap. Et pour y arriver, nous sommes en mesure de développer des activités dans des domaines très différents. Nous sommes présents dans le service, call center, data center, back office. Nous sommes présents dans le secteur de la blanchisserie industrielle. Nous sommes également présents dans un secteur du bâtiment, la transformation et rénovation. Nous travaillons également comme sous-traitants pour une série d'entreprises dans les locaux même de nos entreprises, par exemple pour des activités logistiques. Nous agissons aussi comme opérateurs dans le secteur de l'industrie où nous réalisons des travaux dans le secteur électromécanique, par exemple. Nous nous adressons à de grandes entreprises qui sont très connues. Je pourrais vous parler d'Orange, de Proximus, de Essers, de Cofeli, de la SAPCA, de la Sonaca, de Aperam, de toutes sortes d'entreprises dans des secteurs très différents, dans le secteur bancaire aussi ou dans le secteur des assurances. Toutes sortes d'entreprises qui ont des activités très différentes et auxquelles nous sommes en mesure de répondre avec des solutions non pas générales, mais des solutions clés sur porte, puisque nous employons des personnes dont les profils sont très différents, à la fois ouvriers et employés.
Notre mission avant tout, c'est de créer des emplois pour des personnes en situation de handicap ou de maladie. Mais pour y arriver, nous devons agir comme un véritable opérateur économique. Nous devons être capables de trouver notre place dans le marché et d'apporter les solutions appropriées à des questions qui sont parfois complexes. C'est à ça que nous nous employons vis-à-vis de nos clients. La satisfaction de nos clients est notre priorité. Nous, nous en faisons une plus-value sociale grâce à notre projet qui est d'intégrer sur le marché du travail des personnes en situation de maladie ou de handicap. Mais ce n'est pas le client qui a des conséquences à propos de ça. C'est notre affaire. Lui, il attend un service de qualité et c'est ce que nous lui donnons. Avant tout, après la crise que nous avons traversée, de conserver nos emplois et de conserver aussi des emplois de qualité, c'est-à-dire des emplois qui sont sécurisés, qui sont gratifiants, qui permettent à chacun de se sentir émancipé par rapport à sa situation personnelle. Mais c'est aussi donc de trouver de nouvelles activités pour y arriver qui nous permettent de maintenir notre niveau de fonctionnement à celui qu'il a été en 2020, c'est-à-dire très élevé, puisque 2020 pour nous est une excellente année. Notre entreprise est une entreprise qui fonctionne selon des standards économiques classiques. En tout cas, c'est l'apparence qu'elle donne. Mais en réalité, elle a un fonctionnement qui est avant tout solidaire. Nous faisons en sorte que notre équilibre soit trouvé grâce à une complémentarité entre nos métiers, certains étant à plus haute valeur ajoutée, d'autres à moins haute valeur ajoutée. Mais en tout cas, nos emplois sont préservés et sont des emplois de qualité. Donc la solidarité pour nous est un élément essentiel de notre fonctionnement et c'est grâce à ce principe-là que nous pouvons assurer notre développement qui a été très important au cours des dernières années. Nous, on est d'abord un acteur wallon. Évidemment, on est capable d'apporter des services à des entreprises qui se trouvent partout en Belgique et même à l'étranger. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Mais nous sommes aussi une entité qui est très intégrée dans son terreau, dans sa région et aussi dans sa région de Charleroi, mais aussi dans la Wallonie tout entière. C'est une grande source de fierté pour nous. Et nous avons le sentiment de concourir quelque part au progrès social. Et ça, c'est ce qui fait notre richesse, je pense, et c'est ce qui fait notre fierté, et c'est ce qui nous pousse aussi à continuer à chercher à grandir, parce que nous avons la conviction que nous sommes utiles dans ce contexte-là.